Maxime Famette, j'ai 21 ans et je suis originaire d'Honfleur. Voilà, tout simplement. Depuis combien de temps es-tu au club et quel est ton rôle? Je suis au club depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait ma 15e année. Et je suis salarié du club là depuis cette saison et joueur de l'équipe senior. Je suis aussi responsable de la catégorie U7 et éducateur U18. En quoi a consisté ton emploi au Stade Malherbe de Caen? Alors c'était pas vraiment un emploi, c'était un stage. Donc je faisais une licence TAPS à Caen et le Stade Malherbe de Caen est, si on peut dire, en partenariat avec, avec l'Université de Caen. Donc il faut postuler pour rentrer en tant que stagiaire au Stade Malherbe de Caen. Donc j'ai fait 2 saisons avec les U10 là-bas au club du Stade Malherbe de Caen. Quels sont tes projets pour plus tard? Alors mes projets pour plus tard, c'est de rester au maximum dans le monde du sport en général, parce que comme je viens de le dire, j'ai fait une licence TAPS, donc c'est ce qui concerne tous les métiers du sport, de l'entraînement sportif. Donc dans l'idéal, ce serait de rester dans le monde du sport, éducateur dans le monde du foot, ce serait encore mieux. Mais voilà, sinon je suis ouvert vraiment à tous les sports. En tant que joueur, à quel poste joues-tu et quels sont tes points forts et tes points faibles? Alors en senior, je suis latéral droit ou piston droit, ça dépend dans quel dispositif on joue. Au niveau de mes points forts, je dirais plutôt physiquement, je suis un joueur plutôt rapide. Et au niveau de mes points faibles, je dirais ma technique et pourquoi pas mentalement, ouais, aussi, je pense.